Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite motivation ménage. Donc, c'est les vacances scolaires. J'ai 2 enfants sur 3. Donc, je vais commencer par la chambre de mon fils. Ça, c'est des petites décorations qu'ils ont fait à l'école pour les activités de Noël. Donc, mon fils étant chez sa mamie, ça va être assez rapide, même si mon mari dort dans la chambre de temps en temps quand il commence très tôt pour pas nous réveiller, moi et le bébé, vu que mon fils n'est pas là. Donc, j'ai pas grand chose à faire dans cette chambre-là, à part dépoussiérer, ramasser les petits jouets qu'il a laissés par terre avant de partir, et passer l'aspirateur. Je vais aussi remettre sa tête d'oreiller et sa housse de couette qui m'enlève tout le temps. Donc sa tête d'oreiller, il cache des choses dedans, comme vous avez vu au tout début, des jeux, etc. Et sa housse de couette, pareil, il me l'enlève tout le temps. Je sais pas pourquoi. Il dit que ça le gêne. Enfin bref. Donc ensuite, je vais venir. Donc comme je vous ai dit, mettre la housse de couette. En plus, je déteste ça. Franchement, c'est vraiment un calvaire de les housses de couette. Donc ensuite, je passe à la chambre de ma fille. Donc c'est exactement la même chose que je vais faire. C'est les vacances. En plus, j'ai pas trop envie de me casser la tête, franchement. Elle range assez régulièrement ses jouets. Donc elle laisse juste traîner des fois des petites affaires par-ci par-là puisqu'elle se change beaucoup. Même si depuis que j'ai fait son organisation d'armoire, de linge, je la laisse plus trop toucher les affaires toute seule. Donc c'est pareil, je vais refaire le lit, dépoussiérer, puis passer à l'aspirateur. Donc j'avais pris mon aspirateur balai, mais franchement je pense qu'il est vraiment il est vraiment mort parce que malgré que je l'ai emmené en réparation, il aspire pas bien. Donc là j'ai dû reprendre mon aspirateur traîneau. Et franchement c'est pas plus mal parce que au moins ça nous évite de double travail quoi. La prochaine fois je prendrai directement celui-là. Il aspire super bien. C'est le Roventa Silence Force Cyclonique que je vous ai déjà montré. D'ailleurs le lien est dans ma barre d'infos. Et franchement, il est vraiment top. Il laisse aucune poussière. Franchement, il aspire bien sur le parquet, le carrelage, sur tous les sols en fait, sur les tapis, etc. Donc ensuite je passe à ma chambre. Donc il y a le lit de bébé. Franchement comment ça va trop vite maintenant que j'ai enlevé tous les meubles de ma chambre et qu'il n'y a plus que les 2 lits. Donc là c'est pareil, hein, je vais refaire les lits. Et du coup passer l'aspirateur et voilà, vu qu'il n'y a aucun meuble à part les 2 lits. Donc ça va super vite. D'ailleurs en ce moment c'est les promotions du blanc à Leclerc. Il y a pas mal de promos, donc je pense que je vais me racheter des parures de couette. Des oreillers et peut-être des rideaux. Donc là, je mets toujours à aérer un petit peu les couettes. En même temps, ça permet d'aérer la pièce et en même temps, ça permet d'aérer le linge. Et voilà, je vais venir ramasser 2 3 trucs qu'il y a par terre, des mouchoirs, puisque j'étais malade. J'ai du gel antibactérien aussi, puisque comme je me mouchais, etc., si c'est la nuit et que je dois m'occuper du bébé, je mettais un petit coup de gel. Donc voilà, je vais revenir mettre la couette correctement et ensuite les petits oreillers et passer l'aspirateur super rapide.
Franchement, ça fait du bien parce que quand j'avais trop de meubles dans cette chambre, vu qu'elle est petite et les plafonds sont bas, eh ben, je mettais trop de temps étant donné qu'il y avait énormément de poussière. Bon, c'est vrai qu'il y avait des travaux quand même vers chez nous, mais bon. Donc là, je vais venir mettre mes oreillers. Donc il en manque un vu que mon mari, bah, il prend son oreiller hein, pour dormir soit sur le canapé en ce moment, soit dans la chambre de mon fils. Parce que quand il commence tôt, il me réveille à 5 h du matin, puis il me réveille la petite aussi. Et puis comme là, c'est les vacances en plus. On n'a pas besoin de se réveiller le matin très tôt pour les emmener à l'école. On n'a pas de contraintes de temps, d'heures. Franchement, c'est le top, ça fait du bien. Donc, me réveiller à 5 h du matin, non merci. Ensuite, donc, je vais passer au salon. Donc, c'est pareil, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire à part les tables, le remettre le canapé. Parce que ça, c'est mon quotidien. Ils me défont tout le temps le canapé, les plaids et les oreillers. Enfin, bref. Et donc, bah, passer l'aspirateur. Je passe pas forcément la serpillière tous les jours. Hein. Une fois c'est l'aspi, une fois c'est la serpillière. Voilà, c'est selon comment est le sol à ce moment-là. Donc là, je vais venir vider ben, tout ce qu'il y a sur la table. Comme elle est à l'entrée, en fait, on a tendance à poser plein de choses dessus. Et du coup, bah, elle se remplit vite. Et donc là, je vais venir la nettoyer avec mon produit You, comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai mis une nappe blanche dessus et elle a un petit peu craquelé sur les côtés. Et j'ai vu qu'à Action en ce moment, donc là, de aujourd'hui, samedi jusqu'à mardi prochain, il y a les nappes blanches, pareil, en promotion. Je sais plus si c'est 2 euros et quelques, non, 3,80 € je pense. Si ça intéresse des filles qui ont des tables en verre ou blanche laquée ou qu'elles veulent ne qui se rayent pas, ben ça peut être intéressant. Sinon, il y en a des sur mesure. Moi, je les ai faites sur mesure à Leclerc. Je vous dis nappe blanche, mais c'est nappe transparente que je voulais dire. Donc là, je vais venir remettre les plaids, plier les plaids, remettre les plaids, refermer les oreillers parce qu'il me les ouvre tout le temps. À force de gigoter sur le canapé, il est tout le temps détruit. D'ailleurs, il y a mes deux filles sur le canapé. C'est pour ça que je l'ai mis dans cet angle-là, puisqu'elles sont de l'autre côté en train de regarder la télé. Enfin, surtout ma fille de 4 ans, mais elle est à côté de sa sœur. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir nettoyer la table basse. Je vais venir plier le linge, donc que j'ai détendu. Et ensuite, je vais venir faire une pile pour chaque personne de la famille, pour que ça soit plus simple à ranger. J'avais aussi fait tourner une machine que je vais venir étendre entre-temps. Voilà, une fois fini, je remets le sèche-linge à côté du radiateur pour que ça sèche plus vite. Je vais passer mon petit coup d'aspirateur dans le salon et ensuite je vais venir ranger le linge de chaque personne dans chaque armoire. D'ailleurs, franchement, ça sent encore super bon
Les perles de Lénore, je vous conseille vraiment de le faire, mettre dans un petit sachet avec des perles de Lénore et dans l'armoire, ça sent hyper bon, ça sent sur les vêtements, ça sent dès qu'on ouvre l'armoire et ça fait un moment que j'ai fait mon organisation de linge, je ne sais plus à quel moment je l'ai fait, mais je vous avais fait la vidéo, donc depuis ce temps-là, je ne les ai pas changés. Donc là, je vais aussi ranger le linge de ma petite dernière. J'avais déjà passé l'aspirateur et je vais en profiter pour passer un petit coup sur les meubles pour dépoussiérer. Donc là, je vais venir, comme je vous ai dit, je voulais organiser chaque pièce de la maison. Donc là, la chambre de ma fille, j'ai commencé à bien la ranger, la réorganiser, la trier, même s'il reste un petit peu de boulot. Mais vraiment, on ne pouvait pas mettre un pied dedans, ça nous servait de débarras. Mais je vous rassure, hein, j'ai encore d'autres pièces où, que je vous ai jamais montrées où on ne peut pas mettre un pied dedans. Mais bon, comme vous savez, j'ai été alitée pendant 9 mois, plus après l'arrivée de bébé, etc. Même si bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais il y a des nouvelles arrivantes qui pourraient se dire c'est un carnage chez elles. Donc ça, c'est les baskets que j'ai achetées pour moi et pour ma fille de la même marque. Je trouvais ça mignon. Donc là, j'ai décidé de ranger, de trier les chaussures puisque c'est la deuxième partie de mon garde-manger, plus un côté chaussures et manteau. Comme je vous ai dit que je voulais enfin le réorganiser, bien j'ai commencé par les chaussures. Voilà. Donc voilà les filles, c'est ainsi que cette petite motivation ménage s'achève. J'espère qu'elle vous aura motivé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je pense que je réorganiserai chaque pièce petit à petit vu que c'est les vacances. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!